Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous faire voir ma maison sur Bloxburg. Je l'ai commencé hier soir et je l'ai terminé, enfin terminé si on veut. Je peux vous faire voir déjà le début de la maison, enfin j'ai déjà aménagé la maison et je l'ai aménagé et j'ai aussi aménagé le devant de la maison. Vous allez tout voir dans cette vidéo de toute façon. Avant que la vidéo commence, les amis, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de la liker et de suivre ma chaîne YouTube. Et aussi, les amis, n'hésitez pas de rejoindre mon groupe Roblox, voilà, la team Davy. Et aussi, n'hésitez pas de suivre mon profil Roblox, de celui de mon frère et de son compte Roblox. De toute façon, tout ça sera en description, voilà. On commence la vidéo, les amis, c'est parti. Voilà, je sélectionne l'emplacement de la maison. Voilà, les amis. Donc, voici la maison que j'ai commencé hier soir, voilà. Il était vraiment tard d'ailleurs. J'ai commencé hier soir à faire cette maison. Elle est juste magnifique avec les petits arbres et tout. Et la petite balançoire, les barrières, etc., etc. Il y a aussi, bien entendu, des barrières automatiques que j'ai payées avec des box, enfin je sais plus si ça se dit comme ça, l'argent violet en bas. J'ai acheté ça qui était très cher comme la balançoire, mais ça valait le coup car la déco va beaucoup avec, j'adore. Et donc bien entendu je l'ai mis en rouge comme les trucs pour s'asseoir sur la balançoire, j'ai mis en rouge aussi, voilà, avec des petits sapins, enfin etc, etc, enfin. Voilà la déco de la maison. J'ai mis aussi deux petites lampes à l'entrée avec une petite sonnette et un tapis marqué Welcome. Donc voilà les amis. Donc ensuite le garage. Je vais tout de suite vous faire voir le garage avec une lumière automatique. Voici ma voiture préférée que j'adore dans le jeu, que j'ai payé avec l'argent violet que vous voyez en bas, qui reste 65 dollars, mais c'est parce que j'ai acheté autre chose. Je vais vous faire avoir ça tout de suite après. Voilà le garage avec l'atelier qui est juste derrière, qui n'a rien de dessus, car je crois que sur Bloxburg il n'y a pas d'outils de travail spécifiques pour mettre sur les meubles. Ensuite, nous continuons la visite, les amis. Voici le salon. Alors, le salon est très très grand. Je vous le confirme, mais il est très joli. Avec un petit porte-manteau, avec un tapis à l'entrée, voilà. J'adore. Ensuite, les amis, nous continuons la visite. Voici donc, comme je disais, le petit meuble. Qui est devant un rideau, voilà. J'ai mis des rideaux qui sont assez jolis, je trouve, de cette couleur là. C'est les couleurs d'origine, je les ai gardés comme ça, avec un petit pot de fleurs, une petite lampe, une plante enfermée dans un genre de petit bocal. J'ai trouvé ça joli, donc je l'ai placé sur ce meuble. Et ça, c'est un meuble pour changer d'habit quand on le souhaite. Ça, c'est pour mettre de la musique. Donc voici la télé, voilà, la télé est juste trop jolie. La chaîne que j'adore écouter sur cette télé, c'est le mode feu. Donc, désolé les amis pour les bruits de chiens que vous venez d'entendre dans l'enregistrement de la vidéo. Nous continuons la visite, donc voici les canapés avec des coussins jaunes, que je trouve ça très joli, avec le tapis jaune juste à côté, avec un genre de ligne au milieu de la table, avec un petit pot avec des bananes dedans. Donc continuons la visite. Derrière cette porte se cache la cuisine. Voilà la cuisine, je la trouve super jolie, ça fait, on va pas dire moderne, mais entre les deux, moi je trouve ça joli, bien entendu, avec les petites bananes dans le pot.
Et donc, voilà la cuisine. Enfin, j'ai mis voilà, toute la cuisine est super jolie. Ça fait un peu vide, on va pas se cacher. Je vais ça peut-être. Encore désolé pour les bruits de chien. Je suis vraiment désolé, les amis. Oh, j'en peux plus. Nikita. Oh, excusez-moi, c'est mon chien. Oh là là. Bon, on continue la vidéo. Le truc rouge et blanc que vous voyez, c'est pour faire des trucs avec du café. Enfin, voilà, un petit truc qui coûte aussi de l'argent violet que vous voyez en bas de l'image. Donc, on continue la visite, les amis. Voilà le long couloir avec bah, toutes les portes que vous voyez, c'est que des pièces. Mais je vais pas vous faire voir toutes les pièces là que vous voyez là, je vais vous faire voir que celle-là. Car les autres pièces ne sont pas encore remplies, donc ça ne sert à rien de vous faire voir, regardez. C'est que vide, voilà, c'est vide, il n'y a rien du tout. Donc ici, je vais vous faire voir, c'est la salle de bain. Donc voici la salle de bain, elle est super jolie avec son... ces deux lavabos, je vais réussir à parler. Avec une petite baignoire accompagnée, mais j'adore cette couleur, ça va super avec le mur. Avec le mur, je trouve ça joli, trop beau. Donc voilà, dites-moi en commentaire les amis, si vous trouvez que ma maison est plutôt jolie ou pas. Enfin, vous me dites ça en commentaire. Et désolé encore les amis pour les bruits de chiens, je suis vraiment désolé. Ah, je n'ai plus de batterie, bon c'est pas grave. Je n'ai toujours pas mis de piscine derrière chez moi, mais je pense que bientôt j'en mettrai une. Je mettrai une piscine, voilà. Et je vous redirai tout ça dans une prochaine vidéo, si je refais une nouvelle vidéo sur Bloxburg. Parce que c'est pas mon habitude de faire des vidéos sur Bloxburg, d'habitude c'est sur Adopt Me bien sûr. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et nous on se dit à très très vite. Ciao tout le monde, c'était Davy. Bye.